Bah, moi je dirais. Où est le saloon le plus proche? Comme ça, on peut se bourrer la gueule. Pour faire passer la pilule. On se bourre la gueule. Non, merde, c'est fermé. alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je pense qu'on va rentrer et on va aller voir Léopold. Strauss veut s'entretenir avec vous. Oh putain, Strauss. Strauss va vouloir qu'on chasse encore des gens. Je suis sûr. On peut utiliser. Non, on peut pas utiliser une diligence. Serait cool. Quand tu veux le cheval. Oh, le cheval, qu'est-ce qu'il est lent! Oh mon dieu! T'imagines, tu rencontres un mec qui arrête pas de siffler dans le sur le trottoir comme ça? Ah! Ben voilà! Je vais te vendre, toi! Je sens que je vais te vendre! On va faire un truc fou. Il va peut-être nous coûter notre vie. On va passer par les rails. Ah, mais d'abord, on va aller à l'écurie juste pour voir. Stop right where you are. You best finish your business in town and get them all raiders on business. You'll have to ask me nicer than that. Enough of this! Us raiders stick together! We got you surrounded, don't we? Ok, toi tu... You might not be from the moon, but you'll die here. God, got the moon all around you. What should we play at your funeral? Faudrait que je me soigne, mais je sais pas si je peux. Yes! Elle est où la police? Oh la vache, la balafre. Putain. Regarde, je vais manger et balancer ça sur ton cadavre. On les fouille ou pas, pillard? On va les fouiller si ça... Ah, ça va, ok. Non mais attends. It's all a big misunderstanding. Don't get confused about that. Get back here.
Stop, goddammit! What the hell are you doing? On arrête? C'est bon? You better keep your goddamn mouth shut about this. Don't do it! Get out of here. Go! Get along, man, over here. Je viens de voir sur la carte, il y avait plein de yeux rouges. Je suis merde. Bon, ouais, c'est l'heure où on se casse. Vous faites chier tous. Ah non, il est où mon chapeau? Chapeau tête d'ours légendaire. Non, derby. Oh, on va devoir payer encore. Chier. C'était peut-être pas la chose la plus intelligente de taper un mec en plein milieu de la route. Peut-être pas vraiment la chose la plus intelligente, j'avoue. Deux maisons à faire dans le bayou vers la gauche. Oh putain de merde. Dutch, un problème. Le kit de survie. What? Alors je vais voir un peu la catastrophe. 10$. Ah c'est chiant. Du coup, j'ai même pas regardé ce qu'on avait récupéré sur les mecs. Pas grave. Une potion. Ah, fortifiant, ça. J'arrête pas de bouffer. Ah, on a toujours la météorite, c'est vrai. Contre de l'argent, on peut la vendre. On a des dents en or. On a pas mal de trucs. Bon, on va aller voir machin là. Strauss. On va aller parler à Strauss et on va payer notre dette après. Mr. Morgan. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti. I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan,
Will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algie Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on debt, you know. Okay. Des réunions construites sur des dettes. Là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Attaque de diligence, Lenny. Oh non. Oh, on verra ça après. Vol de bétail de l'oncle. On verra ça après. Quoique, on peut les commencer maintenant. Ah, c'est juste là. On y va alors. Je commence à beaucoup plus... J'apprécie plus Arthur que Marston. Pour pas mal de raisons en fait. On va dire que Marston se... John, il se... Il retourne sa veste en fait. Dans un sens, il se. Comment dire? Oh! So, what do you think of this place? You folks sure move around a lot. Ouais. It's alright, boy. Comment dire? Yeah. Et il va attaquer ses anciens amis qui l'ont aidé et tout. Sans trop de remords en fait. Arthur, il sait que son espèce, on va dire, on va appeler ça comme ça. Genre être un brigand, tout ça, ça touche à une fin. Parce que le monde change en fait autour de lui. Et il sait que c'est. Dans un sens, il sait que ses jours sont comptés. Mais il l'accepte en fait. Genre, il sait que c'est comme ça. Et il essaye de finir ce qu'il a commencé avec Dutch. Et il continue à le suivre. Mais là, je sais pas, dans un sens, il a accepté son sort alors que Marston, il a voulu jouer plusieurs jeux en même temps et à la fin, il en est mort. Arthur, pour le moment, il accepte son sort et il sait ce qui va se passer. Oh, sir, just in time. I'm lost out here and I ain't got no food and no water. Oh, you're a good man, a good man. Tu devrais sortir de la route. Évite le cheval. Oh mince alors. Non, on va pas le voler parce que sinon je vais perdre en karma. Oui, je pense que Arthur il va mourir ou il va se faire buter par quelqu'un de la bande. Peut-être par John, par Marston, ou alors il va crever des autorités ou un truc comme ça. C'est obligé qu'il meure. Mais au moins, je sais pas, pour moi, il continue son chemin. C'est un peu comme avec Venom Snake, dans un sens. Je sais pas pourquoi je compare les deux. Ils ont des similarités, mais pas trop, en fait. Genre, Venom Snake, il sait qu'il doit jouer son rôle en tant que Big Boss. Et il a accepté son sort, en fait. C'est ça, je pense que c'est ça la similitude entre les deux. C'est qu'ils ont accepté leur sort, ils savent que... Leurs jours sont comptés, ils savent que ça va mal finir pour eux un jour ou l'autre. Ils n'ont pas de porte de sortie en fait. Mais ils continuent à faire
ce qu'il pense être juste et il continue à faire enfin il continue à jouer leur rôle. Il y a quelqu'un là, non? Good reason for being on my property, mister. Remember that loan you took, Mr. Davison? Well, time's long since up. I'm here to collect. I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. Je suis d'accord. I got a powerful thirst on me right now. How about you? Well, you gotta be stinking drunk already to do this kind of work. I like doing it sober. You take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the mannerly thing to do. Let's us handle the money first. Worry about manners later, okay? I could be fishing. You were catching flies, you weren't catching fish. Now come on. Let's get us that debt. This is as fast as I can go. Someone's here, boy. Huh? Wait, what's going on? Don't just stand there. Go fix us a drink. Another one, Pop? Don't give me no talk, boy. Just do it. I'll look down here for our savings. Savings? Under the sink? Best place for them. Now, where's them drinks, boy? Drinks ready. C'est quoi ça? C'est un couteau? It's our life savings. Come and take what you owe. Come take it. It's right here. Ah! I cut your damn head clean off. Oh! J'en ai marre de me faire poignarder aujourd'hui. Oh la vache. Regardez le ventre est couvert de sang. J'en ai marre de me faire poignarder aujourd'hui. C'est pas là. Oh, on va s'arrêter là. Allez, on va partir. On va partir en fouille. Enfin voilà, c'est la différence que je trouve avec les deux personnages. On va dire que j'ai peut-être une admiration sur le fait que... genre pour un personnage écrit qui sait qui va mal finir. Genre il sait qu'il va dans le mur, mais il continue à y aller dans ce mur. Il continue à jouer son rôle, même en sachant que ça va mal finir. Je sais pas. Pour moi, j'aime bien. J'aime bien cette idée-là. De cartes invention incroyable. Cool. Marston, il s'est fait manipuler tout le long dans un sens. Parce que il voulait genre sauver sous la cheminée encore.
Non, fusil à double cœur. Il a voulu faire ça pour sa famille, mais... honnêtement, putain, dans ce premier jeu, on voit que c'est un connard, en fait, Marston. Il est vraiment... c'est pas un connard, mais c'est... vraiment pas la personne qui... c'est pas un héros, c'est même pas un anti-héros, c'est vraiment un rien du tout, quoi. Ouais, après, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, que Marston, en fait, passe vraiment pour un rien. Genre, même sa femme, son fils, n'ont pas l'air vraiment de trop l'aimer. Dans la bande, il a l'air de passer vraiment pour un con, plus ou moins. Enfin, pas une personne intéressante, en tout cas. Alors, je sais pas si c'est fait exprès pour mettre les autres personnages en valeur. Donc, du coup, bah, Arthur... je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est vrai que c'est un peu abusé quand on compare les deux jeux. Je connais le caractère de ton père, surtout quand il était ivre. C'est devenu par maintenant, j'ai trouvé un travail, j'ai une petite maison. Tu n'as qu'un mot à dire, je te ferai venir pour en commencer une nouvelle vie. Je t'aime toujours, ta maman. J'espère que le gosse il va pas. Son, I want to get out of here, but I can't until I find some money. There's some in my footlocker. I've been keeping it away from him. Ain't that lucky? Faudrait lui dire au gosse qu'il parte avec sa mère en fait. Désolé, j'aime les friandises. Bourbon, hein, j'aime aussi l'alcool. Argent des dettes. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de choix ou c'est qu'on peut genre payer de notre poche à la place. I think I know the sum. And that should cover it. Ain't you the good son? You should be proud of yourself. Faut pas lui parler, lui dire qu'il parte avec sa mère. Bon bah au revoir. Regardez, on dirait une cinématique, comment c'est beau. Oh! Un attrape-rêve? Non, c'est quoi ça? Ah putain, on aurait dit. Je pensais que c'était quelque chose qui pendait de l'arbre, genre qui avait été. Ni. En fait, non. On peut utiliser la meule? Il est où mon cheval encore? Mais t'es sérieux? Mais tu sers à rien. Mais toi, je vais te vendre. Honnêtement, je vais te vendre. Ah, quoi que non, on était au bord de l'eau. Il est resté au bord de l'eau. J'ai rien dit. Oh. Mais quand on y pense... alors, je sais pas si c'est fait exprès, voulu, ou est-ce qu'ils ont pensé à ça. Red Dead Redemption 1 et 2, on dirait Metal Gear Solid, en fait. Dans un sens où c'est qu'en premier, on joue
on pense jouer un héros, genre par exemple Solid Snake, mais après on voit que Solid Snake se fait manipuler, tout ça. Il se fait manipuler par les méchants dans un sens. Et après, et du coup, bah, il combat plus ou moins les mauvaises personnes. On va dire il combat les méchants, mais pour les mauvaises raisons. Et là, c'est pareil, en fait. Marston, on peut croire qu'il fait les bonnes choses, mais en fait, il les fait pour les mauvaises raisons. Et c'est pas vraiment des bonnes choses, au final. Yep. Oh merde. Je pense pas que j'aurai. Quoi? Yep. Easy there. Ah bah oui, bah là. Ah oui, une étoile quoi. Sauter à cheval par-dessus 3 obstacles en 15 secondes. Okay. Alors, qu'est-ce que... sur le chemin, tu as une autre... Tu en as une autre, mais avec une carte de cigarette à droite. Une autre quoi? Notre maison avec une avec un paquet de cigarettes. Oups. Là, il y a une maison. On la voit sur la carte, la maison. Hey, over here, hey. Over here. Ah mais je les connais, eux, non? You gotta help me out here. Come on, please. I'm about done here. If I don't get these shackles off soon, I'm gonna. Please. This is crazy. Just shoot the shackles. One bullet. That's a... Oh. Non mais attends, je vois rien en fait. Come on now. There you go. Oh. Thank God. Oh, well, I've waited to hear that noise for so long. Yeah, I bet. I wish I could give you some money, or... Well, you know, I might have something of interest. A fellow on the chain line jawed on about this little homestead owned by some lonely drunk. Yeah, he keeps a lot of money stacked away. Dead south of Rhodes, on the river. You sure I'm the right person for this sort of information? I ain't saying nothing. Do with it what you will. Un truc étrange... Pardon. Je vois pas pourquoi ça c'est compté en tant que bon karma de faire ça. Parce qu'en théorie, c'est un échappé. C'est un fugitif. Et on aide un fugitif, donc ce serait mauvais. Je sais pas. Un peu bizarre, non? Au bord de l'eau, vers Saint-Denis, l'autre chemin. D'accord. Bon, on va déjà voir la petite maison là que j'ai vue dans la forêt. C'est quoi ça? Aha. Photographie de famille.
C'est pas les personnes qu'on vient de voir? Qu'est-ce que tu fais, Arthur? Morceau de journée. Salut, Eric! Je pense pas. Ok. Récompense de 200 dollars. Ils ont fait le chef de destruction de 17 août. Nègre se faisant appeler Curtis Royal. J'ai fait une récompense de 200 dollars pour l'arrestation et le retour du titre individuel de prison de Rhône. Propriété chez Dalsia. Wow. Moi, j'ai l'impression que c'est eux, en fait. Enfin, bref. Je sais pas. J'hésite à y retourner, genre, et à voir si on peut pas lui dire... Genre... Vu que c'est des esclaves qui se sont échappés, apparemment... Genre, est-ce que c'est possible de récupérer une récompense? Est-ce que ça se fait, ça? Genre, est-ce qu'il y aurait une option pour les attraper et les livrer, les mecs, les gens? C'est quoi, ça? Non, c'était l'autre chambre. Non, je sais pas. Il y a rien. C'était quoi ce bruit dans la jungle? J'ai cru que quelqu'un m'avait tiré dessus, c'est bizarre. Par contre, faut qu'on resélectionne Springfield. Express. Double canon. Balle. Ok. Alors, Vancouver, tu m'as dit quoi au bord de l'eau? C'est vers Saint-Denis. L'autre chemin. Ah mais c'est super loin en fait. Là où tu as le point jaune. Voilà. Au camp, quoi. Oui, ok. Mmh.
mister. Hey, mister. On va déjà donner notre prime. Oh. Pourquoi il y a un coffre ici? Pirate. Vous êtes dans le camp, vous foutez rien, vous avez même pas vu ça. Ouais, Mika. Ça va? Ah, je te dérange peut-être. On peut aller là? Non. Le Jordi, là, côté. C'est là. Le Jordi, là, côté. Genre tout ça, là. Oh! Là, là, je crois. Il y a un chemin qui y va. Ah, merde. Arthur! Arthur! Bien. Hey, on a peur de rien. Wouh. Oh putain, dépêche-toi. Oh la vache. Vite, 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 vite. Si on se fait choper par un alligator, c'est mort. On aurait dû passer avec le... cheval. Faut qu'on lave nos vêtements. On doit pu... Qu'est-ce que... Oh, 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 oh. Fruit rouge. Une plante de santé, les gens pour restaurer votre noyau de santé. Ok, cool, cool. Tu as même des œufs d'alligator, sans deck. Oh, il y en a un là. Ah, il y a le petit devant. Je viens de le voir. Là. Et après, t'as le gros. Le petit a eu peur. Attends, j'en ai vu un là. On a un à 3 étoiles. Je pense qu'on va se faire celui-là à 3 étoiles. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. What happened here? Honest, feller went crazy. Came at us, stabbed my friend here. Please, you gotta get me out of these shackles. Oh, thank God. I sure appreciate that, mister. Listen,
There's a stash of money hidden beneath some rocks. Across from the train tracks and roads. Across from the water tower. It's all yours. Now I'm gonna get out of here. Fais gaffe aux alligators. Allez. Allez, on déguerpit. Il me faut mon cheval parce que je vais pas lâcher la peau par terre. C'est quoi ça? C'est quoi ce poisson? C'est ça qu'on pêche en Amérique. Oh! What? Lâcher, cuisiner. Tu veux transporter un animal, je vais essayer de le cuisiner, on n'obtient que sa chair. On peut le mettre chargé. Ok. C'est quoi ce poisson? Reste. Alors, fais attention aux alligators. Ah, dégueulasse. C'est quoi ça, crackers? Pas prédateur. Pas l'air d'avoir de cartes. Hein. Faut pas fouiller le mec. Ah. Ça doit puer. Ah, mon cheval est toujours là. Y'a pas de carte. Y'a une carte.
Yeah. Pourquoi il te manque de la vie? Qu'est-ce qui se passe avec... Qu'est-ce qu'il a le cheval? Ah, maintenant on peut. Dans ce camp-là, on peut se balader avec le cheval. Ça m'est sympa, ça. This is all I got for now. And you all ain't so bad. Abigail, she's as good as they come. So everyone keeps telling me. Ok, on est bon. Ce que je voudrais, c'est... Faut déjà qu'on donne l'argent. Et faut qu'on vende les pots. Enfin, donner les pots plutôt. Eh, le. Eh, fat boy. Donnez. Don't forget to go hunting, Mr. Morgan. Yeah, I will. Yeah, looking forward to seeing what you can turn that into. It's better than nothing, Pierce. Good job, Mr. Morgan. Salut. I've come up Charles. With some ideas for ways we could improve things around here if you want to take a look. Je crois. Crâne d'alligator. Wow. Yes. A very nice addition, I think. Il faudrait que ça nous dise ce qu'on débloque. It makes you feel a bit more like home. On va manger. How you doing? You okay? Hey, Arthur. Tout le monde m'aime bien ici, c'est cool. Les œufs, c'est vers la gauche. Ah, on y retournera peut-être à l'occasion. On peut faire quoi avec les œufs? Les cuire, les manger? Ou les vendre? J'ai pas mon énergie au max, je sais pas pourquoi. Mr. Morgan. Leopold. Arthur. Ah, that reminds me. I got some debt money for the box. On y va, on va donner la... On va poser l'argent. C'est un truc de collection. Poser la dette, récupérer. On s'en fout, on a tout débloqué déjà. On va voir si on peut pas récupérer des munitions, puis après on se casse. Faut toujours qu'on paye notre dette, c'est chiant. Non, mais bon. Par contre, je voudrais bien changer, je voudrais bien mettre des gants. De la pommade aussi. Ah ah. Ah non, il y a qu'une seule couleur. Non. Quoique, ça pourrait être un style.
contre, la chemise est laide. La chemise est pas top top. Chemise de soirée française. Pantalon de travail. On a un pantalon de travail, tu te fous de moi? On n'a pas un pantalon, un mieux? Ah, faut vraiment qu'on achète un meilleur truc. Parce que là, on passe pour un con, là. Ah, merde, j'ai pas pris les gants. Ah, c'est où les gants? Bretelles, jambières, bottes. De fiers prêcheurs, c'est pas mal comme ça. Ceinture austère améliorée, nouer vos paradis. Austère principaux. On peut pas vraiment tourner la caméra. Austère de parieur, austère améliorée de parieur. Grand chasseur amélioré. On va garder le grand chasseur. Cartouchière fin tireur, cartouchière améliorée. Non, on va mettre fin tireur. Fin tireur, j'aime bien parce qu'il y a des pochettes devant, c'est sympa. Accessoires du coup. Foulard, grand foulard, non. Gants, gants de tir. J'aimais bien les gants de cavalerie, c'est stylé. On fait un peu de la mode. On fait du fashion. Fashion Souls. Bien connu. On a toujours pas augmenté la sacoche, toujours pas augmenté. Y a des trucs qui nous manquent tellement. Sauvegarder la tenue R3. Alors, du coup. Okay. On refera nos tenues un jour. Genre bien. Là pour le moment on a une belle tenue, ça va. Du coup on fait quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus. On peut faire des missions et puis on essaye de... Si on passe près d'un... De la poste, on paye notre amende. C'est quoi ça? Rosé souhaite vous parler. Une cage dorée. Je sais pas trop quoi faire. Après, on a ça aussi, attaque de banque. De toute façon, une attaque de banque, si on a le masque, on risque rien en théorie. Je sais pas. On va voir. On va faire attaque de banque. On va perdre en karma, je suis sûr. Arthur ? Celle du parieur et brigand, c'est sympa. On regardera. Bon, on va tester le... On va tester un peu l'attaque de banque.